cette septième journée de Super League ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Les Dragons catalans reçoivent, oh là là, reçoivent les Rhinos de Leeds. Et coup d'envoi, ballon récupéré par les Dragons, car vous l'avez entendu, les Dragons vont jouer avec le vent dans le dos. Leeds engagé. Ça sera pour Leighton. Leighton avec Maguire, la passe de Maguire. Bien, encore une fois, bien pris. Jamie Peacock. Bien pris, Peacock, avec Ayton. Ayton, la plantation qui va changer de côté. Il change de côté avec Ablett, tout seul qui va aller marquer. Non, il faut lui, ouais, il faut se mettre en opposition entre l'embut et le ballon. Et l'arbitre accorde l'essai. Monsieur Silverwood qui accorde l'essai sans même réclamer l'arbitrage vidéo. Et le geste de Monsieur Silverwood qui les a sollicités. Donc aucun n'a émis un avis défavorable pour accorder cet essai. Bon, le public n'est pas content parce qu'on aurait pu demander la vidéo. Mais la certitude des deux arbitres nous touche, en particulier de celui qui échappe au plaquage. Ouais, il échappe au plaquage de trois joueurs catalans. Mais c'est une arme qui peut être à double tranchant contre le jeu des Dragons catalans. Allez, Duro sur l'extérieur pour Pomeroy. Pomeroy, attention, passe faire Drigan. Ah, il a réussi donné ce ballon. Bien joué. Bien joué, il a donné ce ballon. À Cardas. Allez, Damien qui a joué son tenu. Damien Cardas, tout heureux de retrouver ce fauteuil délié. Allez, chez le Dragon avec Duro. Prochain Duro, bien joué. Bien, Scott. Oh, que c'est bien. Peut-être laisser marquer. Ouais, oui. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Elliot Whitehead. Lancé par Cardas qui trouve évidemment Anderson qui donne un bureau, qui sur une feinte de corps, puis se retourne, pivote, trouve Whitehead, l'inévitable Whitehead au soutien. Alors que nous on suit le jeu là-bas. Ouais. Ce que je vois lui qui m'interpelle, c'est que l'équipe de Leeds a eu beaucoup de mal à se replacer pour aller jouer ce ballon, mais là patatras, pénalité. Mais cette position est renforcée par la décision de l'arbitre de touche. Regardez, Ryan Hall, là il n'y a rien. Bah non, il n'y a rien du tout. Le Dragon. Sur l'extérieur, il ne peut pas le lancer. C'est verrouillé, s'il n'a plus de volée. À Cardas, Damien Cardas qui rentre à l'intérieur du terrain, qui va retrouver du soutien. Soyez prudents, les enfants, soyez prudents. Il a été touché. Est-ce qu'on va remettre le compteur à zéro? Oui, on va attention. Allez, parce qu'Escarré est passé. Morgan Escarré, deux crochets, il est tout seul, Escarré. Oh là là, il ne répond pas à la défense, il attendait le soutien qui n'est pas venu. Allez, vite. Avec Rémi Castille, à gauche Rémi, voilà, à gauche on a pris le ballon, justement, il faut rentrer la course, c'est bien fait avec lui, Anderson, qui a libéré cette balle pour Escarré, qui va s'accaparer sur l'extérieur tout de suite là-bas, peut-être Taïa tout seul, qui rentre la course avec Escarré, oh, intercepté par Ardecker, attention qui remet les gaz, Ardecker, faut le prendre là, voilà, Jeff Lima. Ah si, moi je voterai pour vous, parce qu'avec des phrases comme celle-là. Allez Rémi. Oh non, Rémi. Oui. Il a marqué. Ah si. Est-ce qu'il a aplati? Oh là là, ça s'est joué un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, monsieur, je pense que... On revoit ici l'action de Rémi Castille qui essaye d'aplatir et qui n'y arrivera pas. Il va manquer encore quelques millimètres. Dernier tenue pour les Ravens. Rodolphe, que va faire? Ah, il est dans le dos. Bien, sort. Ouais, oui, bien. Bravo, bien. Bien, Thomas. Bravo, Thomas. Ah, le pied récupéré par Thomas. Et Thomas qui est sorti de la zone d'en but. Bravo, Thomas. Sur la pelouse, allons. Ça repart, on est à hauteur la maison de 10 mètres avec la passe de Sutcliffe, ça déboule Watkins qui va essayer de tourner le coin. Et là-bas il est, heureusement qu'il a perdu son appui, et on peut vous confirmer que Benjamin Garcia joue bel et bien au centre des Dragons, et que pour lui c'est pas un match facile, mais avec la dynamique qui est la sienne, attention. Oh là là. Aïe, Stevie Ward qui passe. Et sur le champion de loin qui fait suite, Rodolphe, à cette pénalité concédée sur le tenu. Voilà, ils n'ont pas raté cette occasion. Que votre hypothèse soit la bonne. Oui, 10-6 en tout état de cause dans cette première période. 10-6. Et il reste 5 minutes à jouer. 5 minutes. Attention Ayton. Attention Ayton. Il a du monde à l'intérieur. Allez Morgan. Bien Morgan. Bon plaquage de Morgan. Qui va remettre les deux équipes en jeu. C'est parti. Scott Duro qui engage et le ballon sera récupéré par les Dragons peut-être. Allez Morgan. Allez Morgan. Ouais. Morgan a récupéré le ballon. C'est bien. Les Dragons vont bénéficier de premier ballon d'attaque alors qu'ils ont donné le coup d'envoi. Ça tombe très très bien pour l'équipe de Laurent Frécimus. Ouais, et on comprend l'attention qu'a porté Scott Duro dans le positionnement de son ballon et dans la réalisation de ce coup de pied d'envoi sur la remise en jeu de la deuxième mi-temps. Donc récupération de balle. Il veut gagner encore un peu de terrain. Oui, oui, mais c'est Tonga qui est au sol. Voilà, 4. Il n'y a plus beaucoup de solutions, et Adèle le faisait remarquer très justement tout à l'heure, il n'y a que les avants sur le banc. Il n'y a pas beaucoup de polyvalence possible. Edouard Pélissier qui est à l'honneur bien sûr, qui peut jouer peut-être à la mêlée, mais
en dehors de ça, Louis. Ah, bien joué. Le ballon pour Whitehead. Whitehead, il est tout seul. C'est bon. Oh, yes. Oh, quel bel essai marqué par les Dragons. Et c'est Elliott Whitehead qui va. Et oui, regardez, clac, dans le bon tempo. Et c'est McGuire qui est battu sur le petit pas d'Elliott Whitehead. C'est un garçon qui physiquement a des avantages considérables. Allez, on rentre là de nouveau avec Whitehead, bien joué. Et encore une fois, on a du mal à saisir l'ancien joueur des Bulls. Hop là, fin de passe, c'est Pélissier, allez Éloi. Ouais, oui, Éloi qui a marqué. Et c'est marqué par Éloi Pélissier. Et l'arbitre va l'accorder tout de suite. On a laissé alors qu'on y voit, il n'y a rien. Ouais, et là, on y voit, il n'accorde pas. Ouais. Ah oui, il a marqué. Il requiert l'assistance de la vidéo. Oui, bon, ça c'est un peu normal. Mais bien sûr. S'il essayait. On aurait pu la réclamer tout à l'heure, c'est ça que nous disions. Et à mon avis, il y a essai. Oui, oui, oui. Yes, oui, oui, oui. Suspense. Yes, essai. Bravo. Catalan, écoutez ce public ici à Moïtus. Bien. Un plaqué. Allez, 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 ouais, oui. Rudy Garcia qui a pris le ballon. Qui va retrouver le soutien. Repique intérieur, dommage, il n'y avait pas de soutien sur l'extérieur, c'est dommage. Oh, allez, vite, vite, vite. Le plaquage d'Ardecker, vite Éloi, vite Éloi, vite Éloi. Ils sont pas remplacés avec Benji Garcia. Benji Garcia qui revient à l'intérieur, qui a du gaz. Il a raison, Rodolphe Benji, de repositionner le jeu. Ce qui permet à ses coéquipiers de se réorganiser derrière. Bureau qui appelle. Hop là, on va donner de l'air, on va donner de l'air. Avec Pomeroy, et Pomeroy, et Pomeroy qui libère. Bingo. Quel essai! Sur du bras pour les liens. Ah, c'est du beau, du très très beau travail collectif. Et une très belle. Handley, attendez le ballon, regardez en bout de ligne. Handley, qui est le long de ligne de touche, qui attend la balle. On va piquer, piquer à l'intérieur avec McGuire. Non, il ne pourra pas. Bien joué, Rémi. Heureusement que Rémi était bien revenu. On est dans les starting blocks devant la ligne. Il y a la force là, ah, ça sera l'essai. Tout le monde. Est-ce qu'il a marqué? Non, il a perdu la balle. Ah! Là, il n'y a pas essai. Non, il n'y a pas essai. Moi, je pense que. Là, il n'y a toujours pas essayé. Non, il n'y a toujours pas essayé. Là, il y a essayé. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas la balle dans les mains. Ah oui, il l'a perdu. Il a l'axe le plus visible. Ah, il a perdu le contrôle du ballon. Messieurs, on voit très bien quand on fait une photo. C'est là, on voyait bien qu'il avait perdu la balle. Mais moi, je suis entraîneur, je sors l'image de suite. Ouais, mais bon. Le problème, c'est que quand même, pour un pilier de métier, avec l'expérience qu'il a, je ne comprends pas comment il peut envisager, lui tout seul, debout, d'affronter trois défenseurs, alors qu'il n'a qu'à se baisser pour se mettre au niveau du sol, baisser son centre de gravité. C'est l'erreur, voilà les suites. Attention, oh, Moon qui va remettre à l'intérieur. Oh là là, c'est pas possible. Mais non, c'était prévisible tout ça. Oh, c'est le joueur de Brian McDermott, que l'on vient de voir sur le bord de la pelouse. Jouer avec facilité, allez, ici, tac, Bureau, Moon, remise à l'intérieur de Ryan Hall, tac, Moon à l'intérieur pour McGuire. C'est simple, c'est beau, c'est soyez attentifs, les Dragons, soyez attentifs, parce que ça va venir du jeune Liam. Oh là, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas possible. Ce sont les garçons qui ont le plus d'expérience, Louis, qui aujourd'hui nous laisse tomber. C'est pas vrai. C'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça à jouer. Qu'on peut garder sans problème, parce qu'on a le temps. Il était passé. Ouais, sur le fond, parce que les Dragons, s'ils marquent l'essai transformé, ils peuvent passer devant. Oui. Donc je pense que c'est l'essai qui donne. D'abord, l'essai, mais après, on est à l'intérieur pour Watkins. Oh, attention, obstruction. Obstruction, monsieur l'arbitre. Obstruction, il était devant, il l'a vu. Non, il laisse jouer. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible, ça. Hardecker, la passe. Ah, il faut vite revenir sur lui. Cinquième et dernier. Allez, faut tenir. Attention, Leroy a eu tenu, petit coup de pied à suivre. Personne ne le veut, ce ballon. Oh, c'est pas vrai, que de personne qui aplati. Monsieur Leroy a raison, lui, de considérer qu'il n'y a pas cet essai. Ablette qui touche la balle. Ouais, bah Ablette, non, c'est pas possible. Ablette, lui, il était déjà en jeu. Mais oui, c'est lui le premier qui touche ce ballon en position de jeu. Donc... Je crois qu'il y a ouais. Et c'est refusé. Ça ne donnera rien. Gare. Avec Peacock. Vous voyez, ils alternent un jeu lent avec des accélérations. Dernier tenu ici. Et Bureau derrière. Attention, Bureau qui va démarrer tout seul. Bureau. Aïe, pour Watkins. Oh, qui marque. Callum Watkins qui marque.
Calamou, qu'est-ce qu'il c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vraiment, ils ont fait preuve de beaucoup de classe dans cette fin de match et beaucoup de maîtrise. Une fois de plus, donc les Dragons catalans attendent cette fin de match et là ils n'y sont plus. Et là, c'est fini. Là, c'est fini, c'est terminé. Ah, c'est plié. Le score, on ne va pas refléter le match quand même. Non, Zakaria Dekker qui marque et on va presque attendre la atteindre quoi là, la match. Mais c'est des points importants marqués dans les dernières minutes de ce match. Bon, on peut pas en vouloir à ce qu'on parce non, que le coup de pied de...